Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Aujourd'hui, je vous retrouve avec des stars de l'écran de YouTube. Alors, qui est la plus vieille pour se présenter en premier? Ah bah c'est moi. Pourtant, voilà. Je voulais pas commencer, mais... Vas-y, présente-toi. Donc moi, c'est Louise, je tiens la chaîne Rêve, ta vie en lecteur. Et puis, voilà, que dire de plus? Ah, très spécialisée dans le domaine de l'imaginaire, quand même. Young adulte, jeunesse, etc. Voilà. Madame? Moi c'est Audrey et c'est le souffle des mots sur YouTube et j'ai une chaîne YouTube spécialisée dans les livres Young Adult. C'est vrai. À vous, très chère. Et c'est ta cabane. Oui, c'est ma cabane. C'est chez moi là. Moi c'est Christiane, Christiane Tran sur tous les réseaux et je parle de tout. Lifestyle. Et moi je pense que si vous avez cliqué dessus, c'est que vous êtes déjà abonné à ma grosse tête, donc j'ai pas besoin de me présenter. Ou alors, peut-être pas, abonnez-vous, parce que si vous venez de nos chaînes, exactement. Abonnez-vous à Emma. Abonnez-vous. Parce qu'aujourd'hui, sort 4 vidéos sur nos 4 chaînes. Exactement. Trop de nous. Ouais, de nous, on va devoir refaire cette intro 4 fois. Ouais. Aujourd'hui en tout cas, j'avais décidé de faire un action vérité. Comme ça, ça va bien briser la glace de ce quatuor. J'ai cru que tu dire briser nos amitiés. Ah, c'est possible, peut-être. Je vais vous révéler des secrets. Il n'y a pas le même nombre d'actions et vérités. J'ai pris ce qui me semblait les plus intéressants. Oui, ne demandez pas des indices parce que je sais déjà plus. Je vais les écrire, mais je m'en souviens plus. Et qui veut commencer en premier? Oui. Vraiment, tu choisis ce qu'elle sait que tu veux. J'ai pas envie d'imposer, moi. Vas-y. Je commence par une vérité parce qu'il y en a plus. Allez. Tintintin. Ah, un youtubeur ou youtubeuse que tu veux absolument rencontrer. Oh putain, je la voulais celle-là. J'adorerais rencontrer Audrey en fait, du souffle des mots. Non mais non mais. Alors attends, parce qu'il faut que je prenne quelqu'un que j'ai jamais rencontré. T'as dormi chez moi ? C'est vrai que j'ai dormi chez toi. Donc youtubeur, pas que booktubeur ? Non. Tu regardes beaucoup d'autres youtubeurs ? Ben non. Oui, c'est ce que je me disais, toi, tu regardes pas de youtubeurs. Si, les Potterhead. Les Potterhead, mais pas tant que ça. Je suis un peu en fait, j'admire personne. J'aime personne. Non, mais en fait, je suis pas de grosse chaîne, je suis pas hyper. C'est fou, attends, ça. Je cherche dans les booktubeurs. Je vais pas rencontrer les nanas. Jusqu'à très récemment, j'aurais dit Alex Bukinan Prada, mais je l'ai rencontré en mars. Mais vraiment, je l'adore. Mais je vais quand même dire elle. Oh. Bon, j'aimerais la re-rencontrer une deuxième fois. Ça compte. Ça compte. La deuxième Marie. Action ou vérité? Ce que tu veux. Action? Action? Oui, action. Ouais, team. On lance la phrase. C'est horrible. C'est question. Cap de faire une story où tu critiques ton livre premier degré. Ah merde, c'est toi qui l'as. Ton quel livre préféré? Phobos. Ah, ça va, Alaska. Du coup. Qui es-tu, Alaska? Et je le critique premier degré, genre là, mais les gens ils vont capter que c'est bon. Bah oui, c'est ça. Bah ils ont vu toutes nos stories depuis ce matin. Mais Phobos, j'ai trop peur que Victor il tombe dessus et qu'il soit triste après. Il choisit un autre livre. Non, un livre anglais, genre. Qui es-tu, Alaska? John Green, il va jamais voir. Il va jamais voir. Alors, ça va être nimple le montage. Ah ouais. Je viens de terminer ce livre et vraiment... Non, pas forcément, tu dis je voulais vous parler de ce livre. Ou alors tu dis que tu l'as relu et que genre... Mais je l'ai relu il y a trop pas longtemps. Mais non, même... Sinon tu dis genre il y a un truc que je vous ai jamais dit par rapport à ce livre... C'est horrible. Mais les gens, j'espère qu'ils vont savoir. Trop peur. Mais du coup je suis cap. Alors, en plus Alaska elle vient voir cet affront. Il y a un truc que je vous ai jamais avoué, c'est que, en vrai, qui es-tu, Alaska? Bah, j'ai pas du tout aimé à cause du personnage d'Alaska, parce que c'est un personnage que j'ai trouvé assez antipathique. Elle a vraiment un sale caractère, et c'est vrai que ça gâche pas mal la lecture quand même. Hein. T'étais crédible, hein. Mon bébé, oh, je rigole, hein, c'est fou. Alaskouille, la peau. Alaskouille. Regardez comment elle a peur dès que vous parlez, elle fait... Elle ça, c'est bravo. Vrai. On vous mettra les réactions des gens à ma story, juste... Ici. Voilà, merci yes. Emma pour le montage de qualité. Moi je vais prendre ouais pareil, il y a beaucoup de vérité. Alors, vérité, ce que tu trouves le plus insupportable entre corner une page ou casser le dos? Je sais ce que large un truc. Ouais, bah vas-y, tu vas dire casser le dos. Ouais. Moi corner des pages, je le fais. Donc vous êtes on en avait parlé pour ça spoil une autre vidéo. Moi je le fais pas, mais je sais quand c'est un livre de développement personnel. Ah, c'est un chiffon le truc. Il y aura un titre de nous quatre. Alors c'est pas parce que tu surlignes que c'est un chiffon en fait. Tu te calmes, d'accord? Non, non mais j'écris dessus, je fais des flèches en mode regarde la page d'avant. J'adore. Et du coup à casser le dos, j'aime vraiment pas pour le coup. Ouais, c'est vrai que ça me dresse les poils. Ouais, c'est pas possible. Moi je vais prendre une action parce qu'Audrey elle a l'air de râler tout à l'heure parce qu'on prenait des vérités. Critique ton livre préféré de tous les temps. Attends, qu'on essaie de deviner. Mais c'est horrible. Hormis Harry Potter, hein, je bah suppose. Oui, The Curse. The Curse, ouais. C'est ton préféré? C'est l'un de mes préférés. C'est celui qui est rose, la divergente. La robe avec la dague chez Delaine. Elle a une grosse robe, ouais, qui fait toute la couve. Les deux, le tome 2 et 3, c'est rouge. Oui, mais la première, c'est rose. Oui, c'est rose. Mais je l'avais, je l'ai donné. Mais tu vas pas me donner envie de lire, hein.
Du coup, j'ai trouvé que l'écriture et la traduction étaient assez mauvaises et incohérentes, que du coup, ça ne rendait pas justice au personnage ainsi qu'à l'intrigue, et je pense qu'on pourrait faire un petit peu mieux niveau originalité. Waouh. Ne lisez pas d'un air très original. Je prends une action, mais vous me faites trop pareil vos actions. Ouais, pareil. Mais normalement, elles sont pas... Oh merde. Faire tenir pendant une minute 5 livres en équilibre sur ta fucking tête. Bon, y'a pas marqué fucking. Mais... Attendez, ça a pas commencé, non, hein. Non, non, oui. Non, mais plus vers le... En fait, c'est pas droit, mais... Bah en fait, ouais, mais je sens que... En fait, je vas-y, sens lance le chrono, coup, parce que... 3, là, je l'ai 2, 1, let's go. Oh putain. Attends, j'ai pas touché. Attends, c'est... J'ai pas touché. J'ai pas touché. C'est eux qui sont tombés sur ma main, c'est pas eh, ah non. Bah là, c'est... Tu comprends où je tiens pas, c'est... Mm. Tu comprends où je tiens pas. Ah, c'est bon, c'est bon. Bon. Perdu. Attends, mais juste fais voir avec 3 livres. Genre juste 3. Elle a pas du tout l'âme d'une compétitrice. Mais t'as pas du tout la tête faite pour. Mais non. Moi, je... ma tête, moi, mais qui a la tête faite pour? Bah moi. Bah un livre, meuf, tu veux que je t'en rajoute? Ma tête. Bah attends, on parlait combien que ça tient? 3, c'est la plus simple. Ah ouais, ouais, regardez. Ça, ouais. Oh merde, ah, je t'ai pas eu au bon moment. Ça le fait, regarde. 3, ça tient. Oui, vas-y, lève ton pied. Ce n'était pas le défi. Pourquoi, fallait qu'elle lève son pied? Non. Alors, vérité, as-tu déjà lu un roman juste parce que la couverture était belle? Mais évidemment, mais grand, même qui pas qui ne l'a pas fait. Qui, ouais, qui l'a jamais qu'est-ce fait? Qu'est-ce que j'ai déjà... Moi, je l'ai jamais fait. Regardez la poussière, là, c'est une blague, genre, c'est quoi ça? C'est écœurant. Dégueulasse chez toi, Audrey. Je l'ai fait pour énormément de livres et un des celui premiers... Celui qui vient le plus en tête, c'était Love Letters to the Dead. Ah ouais, j'ai la couve violette, là. Ouais, je sais pas qui c'est. La couve violette. C'est un titre. Avec un personnage qui est dans la lune ou je sais plus quoi. Attends. À moi. Mais où es-tu, Alaska? C'est quoi? Non. Action. Alors... Ah voilà, elle tente l'action. Action. Portez le plus de livres possible jusqu'à ce que l'une de vous laisse tomber. Ah, c'est ensemble, là. Ensemble. Après, vous pouvez plus les... Ah, mais c'est trop drôle. Ça va être horrible. Placez bien vos mains. J'ai mal. Placez bien vos mains. J'ai déjà mal. Ça va, là. Attends, mais tout baigne. Ah, non, j'ai rien dit. C'est pas grave, Inès, mais au fur et à mesure. Ouais, mais c'est pas juste. C'est pas grave. C'est en vrai. C'est la vie, tu sais. Elle est ça ferait une bonne raison de dire, c'est pour regarde ça. Regarde le troisième. Ah yes, la vie est pas juste. Il y avait un livre comme ça. Le livre, il faisait 3 mm d'épaisseur. Par contre, à un moment donné, comment ça donnait le livre à gauche là-bas? Non. Qui a un peu de justice. Voilà. Si. Si, pour un peu. Moi, c'est moi, vous savez que j'ai mal, c'est au dos. Bah, moi, j'ai super mal. Serre ton ventre. Ça va t'aider à te. Bah moi j'ai mis un truc là, je pense que ça va changer. Elle était dure, c'est l'enfer. Mais vous payez les bras, vous. C'est pas un billet de ouf. Les meufs sont comme ça, la bas aussi. Regarde, j'ai mon muscle qui sort, j'ai jamais pu sortir. C'est pas grave, j'ai du mal, je vais. Quelle donnée, Stéphie? T'es prête pour Koh-Lanta ou pas? Moi je lâche. Oh ma zette. Toi tu m'en as mis deux. Moi je prends. On voit même pas Christian. Si on la voit là. J'ai hyper mal au dos. Si on le voit dans les deux. Mais non, c'est pas moi, j'ai pas entendu. Ah, moi je les laisse suer. T'as pas mal, Christine? C'est de ouf. Ah, j'ai dit que ça allait tenir. J'en ai lâché. On est où? Vous faites comme un Koh-Lanta. J'ai appuyé. Ah bah t'as gagné. Oui. Attends. La souffrance. Louise à la fin elle était comme ça. Ouais, c'est vrai qu'à la fin j'étais pliée. Donc c'est bien, tu vois, t'as bien mérité. As-tu déjà mangé un livre quand tu étais plus petite, mâchouillée? Alors ça je m'en souviens, j'ai fait une vidéo d'anecdote, il y a quelqu'un qui me disait qu'il bouffait ses livres quand il était petit, tel des feuilles de salade. Mais qui fait ça? Moi je n'ai jamais fait ça, je n'ai toujours pas compris. Quand t'es petit, normalement ta page elle est pas assez épaisse pour la manger, enfin elle est trop épaisse pour la manger. Mais du carton. Quand t'es tout petit tu vas le mâchouiller parce que tu fais tes dents, mais cette personne n'était pas, c'était pas un bambin quoi. Donc non, je n'ai jamais fait ça et j'avoue que je ne comprends pas pourquoi. J'avoue que je juge un peu. C'est un peu ça. Action, jouer le passage d'un livre au hasard. Ah, je voulais pas tomber là-dessus. Vas-y. Action. Tes abdos, non. Et puis, tout d'abord, tu ne sais même pas bien le dire. C'est Wingardium Leviosa et pas Wingardium Leviosa. Bravo. Ouais. Bravo. J'ai réussi ce défi. Bravo. Je suis très épatée. Vérité. Du coup, le livre ou la saga que tu n'as jamais lu et ne veux pas lire alors que tout le monde t'en parle. Ouais. Avant, ça aurait été La Passe-Miroir. Mais je me suis lancée quand même. Mais je n'ai pas. Moi, j'ai un titre en tête. Hein. Que. Gone. Gone. Mais Gone, il n'y a pas tout le monde qui l'a lu et adoré, si. J'ai pas lu. Christiane serait-elle le monde entier?
Mais c'est vrai que Christiane étant notre amie proche, nous devrions lui rendre honneur. Ouais. Non, mais j'ai compris. Mais Louise se souvient même pas de Phobos, donc excusez-moi. C'est vrai, voilà. Mais honneur. J'ai lu que le tome 1, mais... Mais du coup, on peut dire Gwen, mais sinon, on peut dire... Je réfléchis à des trucs un peu fantasy que tout le monde adore. Ah, mais fantasy, c'est pas ton style. Bah oui. Ouais, mais genre un truc... C'est quoi le choix dans le Seigneur des Anneaux, ou sinon, tout ça, ouais. Ou sinon, Seigneur... Est-ce qu'il y a un truc contemporain qui pourrait être dans, dans ton style à la base? Non. Donc tu te dis non, je... Non. Bah non, parce que moi, je suis en mouton, ouais, donc quand il y a des livres, je les lis. Ah, mais moi, tu vois, il peut y avoir de la fantasy que je lirai pas, parce que tout le monde en parle. Mais toi, non, du coup, dans ton... Non, moi, je lis quand on m'en parle. Du coup, mais en fait, je dirais La Passe Miroir, tome 3 et 4, mais je ne vais pas jamais les lire. C'est juste que je retarde sans cesse le moment. Donc, est-ce que ça marche? Bah oui, oui, ça passe. En fait, ils sont tellement gros que du coup j'ai déjà tout, enfin pas tout oublié, mais un peu, et que le tome 3 on m'a dit qu'il était très complexe. Ils existent en audio. J'ai lu que le 1 et le 2 aussi. En audio oui. Moi j'écoute pas d'audio. Ah, mais elles nous embêtent. Un livre que tout le monde te recommande mais que tu n'as pas aimé. Ah. T'as eu un unpopular opinion quoi. Ouais. La Passe Miroir. Drive de Nick Schusterman. Ah, t'as pas aimé? C'est vrai. Ah, bah... J'ai pas aimé non plus. Ah, toi non? Oh, oh, j'ai adoré. C'est vrai. J'ai trouvé ça super long en fait. Et ah ouais, lourd, ouais. La plume elle était vachement lourde. C'était un peu okay. Sur les gens, l'idée était bonne, mais j'ai trouvé. Audrey. Non, mais c'est si l'idée est bonne, mais. Ouais, il a l'air trop bien. Mais du coup, avec ce que vous en dites. Moi j'ai adoré. Toi t'as adoré? Ah, bah du coup, je sais pas. À qui je fais confiance dans ces cas-là? C'est quoi ces influenceuses là qui n'ont pas tout le même avis? Alors, vérité, le roman qu'on t'a offert, que tu as détesté et que tu n'as jamais avoué. C'est ce que j'ai pioché tout à l'heure mais que j'ai remis parce que je voulais. Mais non, mais je voulais une action, ça t'arrange bien. Non, je sais qu'il y avait un livre mais je compte lire, c'est de Mona Chollet. Les sorcières. Non, ça je l'avais lu, il y avait un autre. Et on te l'a offert? Je connais que ouais, en mode de... C'est sur la beauté ou je sais plus quoi là. Alors, c'est à moi? Oui, c'est à toi. Bah, du coup, je vais prendre une vérité parce que là ça fait peine à voir. Ah bah tiens, il est sorti pour moi. Le livre qui te rend le plus gaga sur l'achat de goodies, sauf Harry Potter. Ah, oh, très bonne question. Ouais. La base, j'ai une idée. Les chroniques lunaires. Ouais, c'est ça. Mais ouais. Il y a des goodies. Oui, des bougies. En fait, on répond pour les autres. C'est ça. En fait, c'est quoi? Mais c'est oui, un je dirais les chroniques qui lunaires. Te connaît le mieux. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Non, c'est après ça. Bah, alors vraiment, ok, je vais mettre les chroniques lunaires parce que c'est une de mes sagas préférées, mais vraiment, ça a rien à voir avec ma hype des goodies HP. J'ai quasiment que des goodies HP chez moi en fait. Donc ok, je mettrai. C'est pas une saga. Disney. Ah bah oui, Disney oui, mais ouais, pas ouais, c'est ça. Disney HP, c'est... j'ai quasiment que ça, mm-hmm. Mais si oui, demain on devait me faire choisir un goodies d'autre chose, mais je peux pas dire du coup que je suis complètement gaga, genre j'adore les chroniques lunaires, mais je... Tu vois, tu même des illustrations. Quand même, hein. Oui, mais bien sûr, mais pas jusqu'à... Oui. J'ai pas de goodies... Tu vois, moi je me suis fait une bougie des chroniques lunaires. Oui, oui, je me souviens. Mais je suis pas là à regarder s'il y a des ventes de petits goodies, de trucs qui pourraient... Je suis pas trop comme ça. Ouais. Voilà. Mais bon, je répondrai ça quand même. C'est ta vérité. Oui, parce qu'elle est quand même appréciée. C'est ta vérité, elle est écoutée, elle est d'acquise. Vérité, je crois. Si tu devais déchirer les pages d'un livre coup de cœur, ce serait lequel? Bah, c'est horrible. En vrai, ça. Alors, déjà, faut savoir que le trois quarts des réponses, c'était action, déchire des livres ou action, mange les pages des livres. Mais j'ai déjà fait ça dans mes défis. J'ai déjà déchiré. Alors, non, j'ai mangé Phobos et ça a déchiré la page. Mais c'était pas fait. Mais vous êtes malade. Bah, regardez, en fait, je peux répondre à la question. Bah, elle est où la page déchirée? Ah! Donc, du coup, je choisirais Phobos puisque je l'ai déjà fait. Donc, tant qu'à remanger une page. La même autant... page ou une autre page? Mais du coup, oui, je choisirais Phobos et c'est un livre coup de cœur donc ça montre que je l'aime quand même, même si tu je l'as mange... tellement aimé que tu je le dévore! Voilà, tu ah oui, la pop, wow. Je l'ai dévoré! Alors, vérité, l'auteur que vous ne voulez pas rencontrer. Est-ce que tu voudrais rencontrer J.K. Rowling malgré ses propos transphobes? Bah, du coup, non! J'affiche moi sur sa chaîne là! Il y a quelqu'un que je ne pourrais pas citer en vidéo parce que, bon, voilà. Auquel je pense mais je ne dirais pas, mais du coup je dirais J.K. Rowling, ouais, que je veux pas rencontrer parce qu'elle est transphobe. Ouais. Coupé, et du c'est coup, voilà. Mais nous on sait la vérité. Ah parce que la mentir, la magie. As-tu déjà fait un rêve érotique avec un personnage de roman? J'en étais sûre. Hyper drôle courant. Et oui. On peut savoir qui? À votre avis? Ron. J'étais sûre que c'était pour ma pomme, celui-là. C'est comme par hasard, parce que moi j'aurais ça. Moi j'aurais dit non. Puis alors déjà, je me souviens jamais de mes rêves, donc comme ça, même si mais ça m'arrive... Mon copain va adorer cette vidéo. Bah du coup, maintenant, je peux plus dire il y a moins de... il y a plus de vérité, donc genre, ouais. Je prends une action. Ouais. Qui a pas trop fait d'action ça... Parce que j'en ai fait deux, moi. Moi, je sais plus. Mais il y avait moins d'action de toute façon. Ouais, okay. Oui, c'est ouais. Vrai. Non, mais... Ah, regardez ça. C'est le dernier tour. Prends un livre, retourne-le tête en bas et essaie de lire une phrase. Ouh, j'adore, je l'ai fait. C'est toujours lui qui fait des trucs chelous. Mais par contre, avec ma tête, ouais, c'est j'ai ça dans mon jeu, j'ai ça et je l'ai fait. Et je l'ai peut-être pas mis dans ma vidéo sur mon ah, jeu. Bah voilà, non, si vous l'avez vu. Ah bah je prends Crest. Je l'ai vu, mais non, tu l'as pas fait. C'est plus rigolo.
Non, c'est lis tout ça. Quoi ? Combien de portes closes, combien de clés, combien de couloirs me séparent encore de ce parloir ? Combien de pas encore avant de me retrouver face à toi ? Et tu vas, tu fais hyper facilement, moi je... Mais non, mais j'ai même pas réussi à décrypter le premier truc, moi. Mais ne... Ah, t'étonne pas, ne plus avoir de cœur à un moment, c'est ce qui m'a sauvée. En fait, quand tu commences, ça va parce qu'après tu déduis. Mais bien, en fait, moi je crois que c'est limite aussi simple pour moi. Je suis dans la porte de la prison, les 30 pages, j'ai réussi à les faire sans vaciller. Non, mais j'y arrive pas du tout. Moi. Incroyable! Ce c'est ce mot. Moi quand j'avais fait, j'avais la nausée quand j'avais essayé la première fois. Moi. Je me suis découvert un talon du coup. Ma mère avait des doutes. Ouais, alors ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Hein. Devenu des. Bah, c'est un talent comme. J'ai l'impression que c'est une autre langue, moi. Tu peux aller à un incroyable talent ou pas? Ah, oui. Moi, quels sont vos trois personnages favoris, plus dans lesquels vous vous retrouvez le plus? Mon personnage préféré, c'est Hermione. Et je m'y retrouve, mais à moitié, parce que quand j'étais ado, j'avais trop envie d'être Hermione. Donc, j'étais contente d'étudier en mode, vas-y, je vais être intelligente comme elle, mais j'avais la flemme. Donc, voilà. Semi-Hermione. Après, je sais pas si j'ai beaucoup de personnages préférés. Moi, je suis un peu nulle pour ça. Ouais. Parce que tu vois, si il faut bosser à Safia, que j'aime beaucoup, qui est très engagée, très militante, j'aimerais pas être comme elle. Mais j'aime son personnage. Il y a des gens que j'aime bien, mais je veux pas être eux. Ouais. Tu sais, quand je lisais Safia, c'était au moment où vous avez sorti les du vidéos. Coup, c'était moi. Et j'avais vraiment ta tête. Mais moi aussi, quand je me relis, je vois un peu Cristal et tout. Ouais, je visualise les personnages de Phobos. Ah oui, c'est comme... Mais je t'avais. Enfin, toutes, je les avais toutes dans ma tête. C'était trop drôle. C'était un peu bizarre. Je veux bien être Safia. Les gens. Après. Allô ? Action, citer des noms ou. Des noms ou d'auteurs. Oui. En faisant dans l'ordre alphabétique. Ouais, donc des noms d'auteurs. Du coup, là, j'en sors quoi? Tu dois en sortir 10 dans l'ordre alphabétique. A, B, C, D, E, F, 1. Ah, ok. Tu vois? Oulala. Tu dois commencer par A. A. Antonin, A.G. B. Si on a, on t'aide. Ça, c'est dur. B. Mais non, mais on n'a pas le droit de regarder. Bah non. Bah non, oh! Dis donc, moi. B, 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 B. Beauvais. Quoi? Beauvais. Crème de jour. Elle a commencé à dire crème. Non. Clémentine Beauvais, C. Daniel Cole. D. D. Victor Dixen. E. E. Adèle Electra Horopoulos. C'est pas une autrice. J'avoue, on se sent trop obligé. Emma. Bientôt. Quand? Jamais. Bah ça va être long là si je vais jusqu'à Z. Bah trop tard, t'as hésité, t'as perdu. Ah oui, j'ai perdu. C'est hyper dur. Mais c'est impossible. E. Dites-nous en E. Bon, je sais pas. Là. Pas si instinctivement quand même. Pas non. Si. Ouais, c'est vrai. Non, non. E. On a beaucoup de. Action, lire une phrase avec les mots inversés. C'est un peu comme t'as fait. Non, mais les mots, tu commences mots de la fin. Ouais. Wow. Allez, on prend le même livre. Donne à Bibi. Non, attends. Ah oui, mais du coup, tu vas prendre. The Bone Season. Oh putain. Il est gros. Alors. Faible une, étudier elle, je, que, pendant, visage, le, sur, tombait, lui. Ah, c'est gros. Impossible de comprendre, pas c'est moche. Je me suis dit, je vais essayer de remettre pareil. Pour comprendre la phrase, impossible. T'as c'est vraiment juste lu à l'envers. Vas-y, relis-la. Oui. Non, mais à l'envers. Ouais. Faible une, étudier elle, je, que, pendant, visage, le, sur, tombait, lui. J'ai rien compris. Lui. Lui tomber sur le visage. Faible. Tu peux la lire. Vas-y, lis la première. Ah oui. Lui tomber sur le visage pendant que je l'étudiais, une faible. Oui, mais c'est pas une ah phrase. Mais oui, mais. Ah non, mais elle a pris deux phrases aussi. La première ligne. C'est deux phrases en fait. Mais moi j'ai pris la première ligne, j'ai pris. Ça ah oui, elle nous prend du coup. C'est normal qu'elle va tenter un peu bébête. Vous en voulez une autre, une vraie? Ouais, vas-y, prends d'une majuscule à un point. Dans le sens inverse du coup. Examen premier, ton passé, faire te. T'es fait faire passer ton premier examen. Oui, mesdames. Bon, c'était pas ça. Oui. Mais c'est tout facile comme ça. Les filles, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Oh, mais vous avez trois fois plus de vidéos sur toutes nos chaînes. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir les vidéos des filles qui du coup normalement sont toutes mises en ligne au même moment. Oui. Allez vous abonner à rejoindre voilà, tout le monde. Et abonnez-vous à Emma surtout. Oui. Oui. Je vous souhaite de bonnes lectures et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye. Bye.